work, 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 work. Send me if you work, 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 work. See me do me da 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 da. Saw me putting work, 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 work. Hello, la compagnie. Alors, ça m'a pris comme ça. Hein, je suis seule à la maison là ce soir et je me suis dit tiens, si ce week-end je vloguais un peu. J'ai eu un déplacement et ce week-end je passe le week-end avec Marjane, donc là elle est au travail, elle va rentrer tout à l'heure. Et demain on part à la campagne, passer un petit week-end tranquille. Et donc je me suis dit que j'allais vloguer pour ce petit week-end avec Marjane. Voilà. Alors elle n'est pas encore au courant, je sais pas trop ce qu'elle va en penser. On lui demandera ensemble ce soir quand elle va rentrer du travail, pourquoi pas. Oui, vous avez vu ces magnifiques cartons. Dites-vous que ça, ce n'est que nos affaires d'hiver. C'est un gros problème, je ne sais pas où les stocker. Et alors j'en connais une qui s'est trouvée un nouveau spot. Qu'est-ce t'en dis? Qu'en dis-tu, Tina? Sympa cette chambre d'amis, tu trouves pas? Je la trouve tout le temps ici. Et même quand la porte est fermée, elle arrive à l'ouvrir. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu m'expliques? Enfin bon. Donc là, on est en fin de journée. Hein. Il est 20h passé. Je commence à avoir un peu faim. Donc comme on a fait raclette hier, je vais me faire une petite salade à base de pommes de terre. Je vais rien cuisiner de spécial. Marjane, quand elle rentre, si jamais elle a faim, je pourrais lui en faire une aussi puisqu'il en reste suffisamment. Et puis voilà, et puis regardez-moi, matez-moi ce bordel. Alors il faut savoir que dans les pièces de l'étage, pour le moment je ne fais rien, mis à part la salle de bain, parce qu'on va tout repeindre, donc ça sert à rien que je mette de la déco et que je perce les murs pour mettre mes cadres, etc. Puisque ça va pas durer, ça va falloir que j'enlève tout quoi. Donc pour le moment je fais rien, mis à part la salle de bain, là à mon avis avec la lumière, non, vous ne voyez rien, mais bon, bref. Mis à part la salle de bain qui est terminée, au niveau déco et tout, de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire. Eh bien, tout l'étage, les trois chambres et les toilettes et le palier, c'est à peindre. Tant que je vous tiens, d'ailleurs je vais faire attention à ne pas vous lâcher parce que vu le prix de l'appareil, ça ferait mal aux fesses. Regardez où elle est celle-ci. Depuis, je vous le disais sur Snap, depuis qu'on a le jardin et qu'elle fait sa vie, qu'elle sort, qu'elle va dehors, etc. Elle a complètement changé de comportement, elle me suit partout. Elle est hyper câline, ce qui n'était absolument pas le cas ces dernières années, alors qu'effectivement plus petite elle l'était. Donc franchement je suis trop contente, je me dis qu'elle doit être vachement plus heureuse. Voilà. D'un autre côté ça me fait mal au cœur parce que je me dis que pendant quelques années elle n'a pas forcément été heureuse. Bref. Je voulais vous dire, vous parler, vous montrer ceci. La gamme ultra doux au lait de coco et macadamia que j'utilise en ce moment, que là j'ai testé je pense bien 4-5 fois, que j'adore. Alors je vous en ai pas encore parlé, je vous ai pas encore montré parce que à chaque fois que vous me voyez je suis pas coiffée, mais j'ai coupé mes cheveux au carré. Vous l'avez vu sur Instagram, sur Snap, etc, etc. Bon là j'en prends franchement en ce moment pas soin du tout. Mais bon bref, j'ai coupé mes cheveux au carré, j'ai commencé à utiliser cette gamme. La seule chose que je peux lui reprocher c'est qu'effectivement sur cheveux comme moi au carré, je peux pas vous poser quelque part là parce que franchement j'ai mal. Je vais peut-être vous poser là, tiens. Qu'est-ce que ça dit si je vous mets là? Ouais, on peut faire comme ça hein. Attendez, je vais chercher le reste du coup. Je vous disais que la seule chose que je pouvais lui reprocher, c'est que j'ai l'impression qu'elle a tendance à être un peu trop nourrissante pour ma longueur de cheveux. Elle est un peu trop riche. Cependant, quand je fais le shampoing et le masque, mes cheveux sont d'une douceur, ils se démêlent facilement. Là, forcément, la gamme sent hyper bon, hein, vous vous en doutez bien. Crème de coco et macadamia, ça sent trop bon. Regardez, je vous mens pas. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Et donc je kiffe, j'adore. Voilà, mis à part ce petit détail là qui m'embête un petit peu, je passe au dessus, d'autant plus que c'est une gamme qui est sans silicone. Et ça je trouve ça génial, parce que ça sent bon, parce que c'est hyper efficace, parce qu'effectivement ça nourrit vachement bien mes cheveux, parce que ça laisse la bonne odeur dans mes cheveux, parce qu'ils se démêlent limite aux doigts, et que c'est encore une fois garni, enfin la gamme ultra doux. Et vous savez que tout ce que j'ai eu l'occasion de tester là, c'est, je dirais, allez, ces 6 derniers mois, et ben je suis carrément fan quoi. Je trouve que c'est génial ce qu'ils font, voilà. Marion, la luminosité est complètement à chier. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Mais bien sûr. Eh, c'est un peu mieux hein. J'ai reçu en même temps que le shampoing et le masque ce gel douche.
qui est le gel douche ultra doux douche soin à l'eau de coco et à l'aloe vera, qui hydrate et qui rafraîchit. Alors les principes actifs, enfin comment, le but de la gamme pour les cheveux, je vous ai pas dit, c'est nourri, assoupli et adouci. On est complètement d'accord, je valide à 300%. Et donc pour en revenir à ce gel douche, hydrate et rafraîchi, extrait naturel, sans parabènes, adulte et enfant, il sent très bon. Il sent très très bon. Ça sent très bon la coco, mais pas une coco trop sucrée non plus. Donc j'aime beaucoup. Le packaging, hyper beau, hein, je pense qu'on est d'accord, on est toutes d'accord pour le dire, il est vraiment trop beau. Je trouve d'ailleurs qu'ils font un super effort sur les packagings garnis dans cette gamme là, j'aime beaucoup. Et mis à part vous dire que c'est un gel douche classique qui lave et qui sent bon, je peux vous dire que j'ai remarqué que la mousse de ce gel douche était hyper épaisse et hyper douce. Voilà, et je trouve que c'est agréable sous la douche. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite gamme, ça fait... à peu près 1000 ans que je l'ai reçu et que je devais la tester et que je l'avais toujours pas fait parce que j'avais complètement autre chose à faire et à penser. Mais voilà, là ça fait, vous voyez, je l'ai bien utilisé le gel douche et ça fait quelques semaines que je l'utilise et je suis apte maintenant à vous faire un retour et à vous dire que, une fois de plus, pour Garnier, c'est du positif. Du coup, ce soir au menu, ça sera extra simple, pommes de terre, bacon cuit, voilà, que je vais manger avec des biscottes parce que j'évite de manger du pain. Je vais finir ceci qui date d'hier soir et de la raclette. En ce moment, je suis à fond soda, c'est dingue. Et en dessert, je vous le donne en mille, compote de pêche avec morceaux. Voilà. Et là, je suis en train de regarder la petite série sur la une avec Natou, Cyprien et Norman. Et ben, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ah oui! Attendez, je vous remonte. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure les produits ultra doux que je vous ai montrés. Ils sont à gagner pour l'une d'entre vous, donc vous pouvez retrouver le concours, voilà, sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous savez que Garnier, chaque fois qu'il nous envoie des produits, ils font en sorte que l'une d'entre vous puisse les tester par le biais de concours, et ça, je trouve ça plutôt chouette. Bon, voilà, moi je vais manger parce que j'ai faim. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouverai certainement au retour de Marjane si je ne dors pas, parce que je sais absolument pas à quelle heure elle va rentrer. Et parce qu'après là, je vais me mettre devant Vendredi Tout est permis. Mais pourquoi on est... Pourquoi est-ce qu'il y a Vendredi Tout est permis alors qu'on est samedi? Je suis quand même pas folle, on est bien samedi. Ah oui, on est samedi, j'en suis sûre. Bref, je comprends rien. Mais je vais me mettre devant et je vais vous faire le montage d'une vidéo que j'aimerais vous mettre en ligne rapidement. Bon, bah, salut tout le monde. Hein. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais les images que vous venez de voir datent d'il y a une semaine. Donc on se retrouve une semaine plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai pas filmé, etc., etc. Déjà, premièrement, parce que j'en avais pas forcément l'envie, donc c'est une très bonne raison pour moi pour ne pas filmer. Et deuxièmement, parce que le week-end dernier, comme je vous l'ai dit au début du vlog, là je suis partie avec Marjane, on est parti un week-end à la campagne et tout, avec Akil. Et il n'y a pas d'ouverture facile à ce truc, assis là. Et bêtement, mais vraiment très bêtement, Akil était attaché avec une corde, il m'a fait tomber en fait. Et il m'a fait assez mal, donc je sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai le coude ici tout bleu, la cheville c'est pareil, il m'a fait tomber complètement à la renverse. En fait la corde qui l'attachait, j'étais à côté, il est parti tellement vite que la corde m'a fauché les chevilles, donc je suis tombée de toute ma hauteur, les mains prises sur le visage. Heureusement au niveau du visage j'ai pas eu grand chose, j'étais amochée là et ça a un peu rayé mes lunettes, mais bon bref. Donc suite à tout ça, étant donné que ben, je suis tombée, je me suis contractée, donc pendant 2 jours j'avais des courbatures partout. Donc forcément là c'est pareil, déjà je pouvais pas faire mon ménage, alors j'allais pas m'amuser à filmer, à me secouer dans tous les sens, etc. Et puis ben, la semaine a filé, le reste de la semaine j'ai eu des trucs à faire. Oui, je parle du nez, je suis en train de mettre un patch. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos, comme ça ira plus vite. Mais c'est le Nose Pack au thé vert de chez Etude House. Voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps avec les Nivea. Et donc voilà, le reste de la semaine a filé. J'ai fait d'autres choses. Et du coup, bah voilà, j'avais laissé ce vlog là de côté. Aujourd'hui, donc on est samedi. Rien de prévu. Ça aussi, vous voyez, je suis assez embêtée.
enfin pas embêtée, mais parce que j'ai envie de filmer, j'ai envie de vous faire des vlogs, etc. Mais c'est vrai que, bon, moi, mis à part les produits que je teste, vous donner des nouvelles, ou parler d'Akil, de Tina, un peu de la maison, pourquoi pas de déco, etc. Comme je l'ai fait dans le dernier vlog que je vous mets là, ou là. Non, il sera là, je crois. Ben, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, à vous montrer. Donc, parfois, j'ai l'impression que c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre ce vlog. Je sais que vous aimez bien quand même, même si moi, j'ai l'impression que c'est pas très, très intéressant. Et je vais mettre celui-ci de chez Nivea au niveau du menton. Parce que là, je n'en peux plus. Je viens de faire ma routine soin sous la douche. Je vais vous montrer rapidement, si vous voulez, ce que j'ai utilisé. Ah ben, il y en a un pour le menton et un pour le front. Celui-là, je ne les fais jamais d'habitude. Je fais que ce pour le nez de chez Nivea. Hop, je vous montrerai ouais, rapidement ce que j'ai utilisé. Dans quel sens, vous croyez? Comme ça? Je sais pas. On est comme ça. Hein. Donc là, accoutrement un peu particulier. Mais bon, dans les vlogs, vous avez quand même relativement l'habitude de me voir comme ça. C'est pareil toute cette semaine, franchement je me suis à peine maquillée, enfin pas maquillée du tout même. Je crois que je me suis pas maquillée de la semaine. Voilà. Donc ce que j'ai utilisé pour me nettoyer le visage etc. aujourd'hui, c'est des produits que j'utilise depuis très longtemps. J'ai utilisé la mousse d'eau nettoyante peau nue divine dans la gamme Asiana Botanica de chez Sanoflore, dont je vous ai beaucoup parlé. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai ressorti récemment une éponge Conjac. Attendez, je les sors. Ça faisait des années que j'en avais utilisé une, j'avais adoré, et là j'en ai retrouvé une dans mes placards. Donc du coup, j'ai passé ça avec l'éponge Conjac. Ensuite, j'ai fait mon gommage, le gommage, vous savez, la poudre métamorphose exfoliante de chez Sephora que j'adore. C'est le petit hic, il va falloir que je fasse une aiguille, je pense, dans les trous. Parce que c'est tout bouché. Vous voyez? Donc je me galère à chaque fois à sortir le produit dont j'ai besoin, donc c'est un peu chiant. Et sinon, pour les cheveux, j'ai utilisé ce que je vous ai montré en début de vidéo. Ça sert à rien que je revienne dessus, vous l'avez vu en début de vidéo juste avant là. Allez, c'est parti mon kiki. Alors je vais ranger ici parce que forcément chaque fois que je vous installe, je mets le bazar. C'est parti. Alors, je vais me préparer. Donc je vous disais que j'allais m'habiller, me maquiller, me préparer, etc. Je vais juste, au moment de me maquiller, tester ça avec vous. Parce que je l'ai reçu récemment de la plateforme Octoni. C'est la... Donc c'est un primer, c'est la Optical Illusion. À base d'argan, je crois. Il n'y a pas quelque part où c'est écrit en français quand même que je puisse vous donner un peu plus d'indications. Base de teint éclat, lisse la peau à l'huile d'églantier et d'argan, corrige les pores. J'ai juste testé sur ma main et effectivement, je trouve qu'elle a l'air d'être pas grasse, mais je sais pas comment vous dire. Pas grasse d'huile, mais ouais, je sais pas. Floutez instantanément vos imperfections tout en sublimant votre teint et en lissant votre grain de peau. Optical Illusion atténue les ridules et fait disparaître les pores pour un somptueux teint de porcelaine. Une base idéale pour faciliter l'application du maquillage et en prolonger la tenue. Notre formule onctueuse contient des pigments flouteurs optiques ainsi que des ingrédients dermoprotecteurs tels que de l'huile d'églantier et d'argan. Appliquez sur l'ensemble du visage avant le fond de teint ou la poudre. Donc on va tester ça ensemble et ensuite je vais vous filmer une vidéo parce que j'ai reçu aussi de la part de Maybelline leur nouveau liner. Qui se présente comme ça, c'est le Curvitude. Vous voyez, il est tout curvé. Et donc, je pense que je vais vous faire une vidéo spécifique pour celui-ci. Je sais que les liners, vous êtes souvent à me demander lequel j'utilise, lesquels sont bien et tout. Donc, je peux vous faire une petite vidéo relativement courte. Et j'en ai un à vous faire gagner à vous aussi. Donc, voilà, ce sera l'occasion. Je pense que je vous filmerai ça après. Donc, je vais m'habiller, attendre que les patchs sèchent, remettre ma batterie à charger puisqu'elle clignote, je n'ai plus de batterie. Et ensuite, on teste ça ensemble. Bon, donc j'ai fait mes sourcils et j'ai fait mes cheveux. D'ailleurs, franchement, ces produits-là de la gamme
Garnier Coco Macadamia dont je vous parlais. Ils sont absolument géniaux, j'en suis totalement fan. Donc on va tester la base. Je pense que je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. J'ai pris un petit miroir parce que sinon je vais me rapprocher du grand et ça va être la catastrophe, je n'allais rien voir. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Je crois qu'il en existe plusieurs là dans la gamme qu'ils ont sorti. Il y a plusieurs bases parce que moi j'avais la possibilité d'en tester plusieurs. Bon, j'ai fait la demande pour celle-ci. Bref, le tout focus ne veut pas se faire. Donc j'ai fait la demande pour celle-ci parce que dans la description, je vais aller chercher mon portable et je vais vous lire la description d'ailleurs. Ah oui, parce que je vous ai pas dit aussi. Suite à ma fameuse chute cette semaine, là, en début de semaine, j'ai complètement explosé mon téléphone. Voilà, donc il faut que je fasse changer la vie, truc, etc. Bref, donc la description, parce que moi cette base là, elle m'intéressait parce qu'il y avait une histoire de port. Voilà, floutez vos imperfections tout en supprimant votre teint et en lissant votre grain de peau. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait, mais si je vous montre, alors je sais pas si elles sont encore disponibles sur le... sur le Free Store d'Octoly, mais je vais essayer de vous montrer parce que celle-ci, c'est la rose. Non, elles y sont plus. Donc je peux pas. Ah mais peut-être, mais elles doivent pas. Je crois qu'elles sont pas sorties encore. Bref. Donc celle-ci, c'est la rose, mais je crois qu'il y en a une un peu violette, une verte. Et elles ont toutes des actions différentes. Et donc moi c'est celle-ci qui me convenait le mieux. Donc c'est un flacon pompe. Au niveau du prix, on est à combien? Parce que j'avais regardé, mais je sais plus. Ah oui, ah non c'est pas ça. Ça c'était le kit BK. J'étais en train de me dire 93€ une base. Non non non, c'est pas possible quand même. Alors la base de teint, elle est à 30€. Voilà. Pour une base de teint, je trouve pas ça excessif. La photo ready chez Smashbox, je sais plus à combien elle est. Bon, voilà, à voir quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu tester. Donc, le packaging est très joli. Bon, la boîte, on s'en fout un peu parce que, bon, à moins que vous soyez un peu toqué de garder toutes les boîtes, moi, c'est pas mon cas. Le packaging est sympa. Voilà. Donc, la texture, je vais en mettre... J'en mets qu'une pompe parce que elle s'étale assez bien. Hop. Je vais du coup rezoomer un peu. C'est assez épais comme texture. Et comme je vous disais, ouais, c'est un peu pas gras. Mais vous savez, ces textures de base là qui sont un peu... ça colle quand même un peu. Je pense que déjà, mince, je vous ai fait bouger, pardon. Je pense qu'une pompe déjà c'est trop, faut en mettre moins. Parce que là regardez, il m'en reste sur la main. Et déjà sur le visage j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Et ouais, je trouve que c'est assez, assez épais, assez gras. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fin de journée, je suis en train de niquer mes sourcils. Je vous dirai ce que ça donne sous le fond de teint. Que là forcément je vais mettre un fond de teint par dessus. Mais au niveau des pores, puisque moi c'est ce qui m'intéresse surtout, je trouve que c'est vrai, ça fonctionne bien. Là j'ai les pores qui sont vraiment quasiment complètement comblés quoi. Donc première impression pas trop mauvaise, mais par contre voilà, faut en mettre moins quoi. Moi j'en ai mis une pompe et c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça colle un peu, ça pègue un peu. J'ai peur qu'en mettant mon fond de teint par-dessus, ça fasse des peluches, vous savez. Mais bah je sais pas. Je vous redis ça. Bon bah écoutez, ça y est, je suis en place pour vous filmer la vidéo au sujet du liner Maybelline. Et donc j'ai mis ça par-dessus la base. Donc de chez Urban Decay aussi. C'est le One and Done Naked Skin, c'est le genre de bébé crème, un peu crème teintée. Et ça n'a pas peluché du tout, du tout, du tout, du tout. Et alors, j'aimerais tellement que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne au niveau de mes pores ici, qui sont habituellement constamment apparents. Et bien là, ils ne le sont pas du tout.
Je suis bluffée. Je pense que de toutes les bases que j'ai pu tester jusqu'à présent, elle fait partie de mon top 3. Elle est géniale. Et ce côté gras un peu qui pègue, comme je vous le disais au départ, ben, ne l'est pas du tout, du tout une fois maquillée. Mais alors pas du tout. Donc j'ai bon espoir. Je vous en reparlerai en fin de journée. Je vais rester maquillée de toute façon toute la journée. Donc je vous dirai ce qu'il en est. Et puis voilà, je vais filmer la petite vidéo sur le liner. On se retrouvera un peu plus tard. Bon, maintenant que ça c'est fait et que cette petite vidéo est tournée, pardon, enfin du moins la première partie, oui je sais, vous êtes à contre-jour, c'est ultra désagréable, je vais faire quelques petites photos, parce que oui, il faut, j'ai quelques petits trucs que j'aimerais vous montrer sur Instagram, et puis ben, malgré tout, hein, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est du boulot de faire toutes ces petites photos, enfin c'est du boulot. Non, c'est pas du travail, moi je le fais par plaisir, si j'avais pas envie je le ferais pas, mais c'est du temps quoi. Donc voilà, là j'ai quelques petits trucs à vous prendre en photo, notamment la Naked It que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai envie de vous faire un petit post pour vous donner mon avis très rapidement, parce que bon, je sais que vous la voyez absolument partout. Et puis ça aussi, dont je vous ai toujours pas parlé, ce sont les Bliss Balls de chez Up and Mind, pardon. C'est une fille qui fait ça chez elle. Et en fait, ce sont des petites boules, des petits encas. Vous voyez, ça se présente sous forme de boules comme ça. C'est des... alors, riche en fibres, protéines, magnésium, c'est sans conservateur. C'est 100% d'ingrédients d'origine agricole non issus... sont issus de l'agriculture biologique, pardon. Enfin bon, c'est certifié organique, etc. Et c'est à base, là par exemple pour cela, il y a des dattes medjool, donc ce sont des grosses dattes hyper, comme des bonbons, moi j'adore ça. Des amandes crues, des noix de cajou crues, des raisins et de la noix de coco. Voilà, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur. Et j'en ai plusieurs et j'aimerais vous faire un petit post parce que j'en ai déjà mangé un paquet. Vous voyez, il est vide, il est là. Et j'adore, franchement c'est hyper hyper bon et ça cale bien. Donc voilà, donc je vais m'atteler à faire toutes ces petites photos et puis je vous retrouve en fin de journée pour vous donner de nouvelles de la base et puis j'aurai certainement d'autres trucs à vous dire hein, comme d'hab. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mes quelques photos. Si jamais il y en a quelques-unes qui sont en ligne sur Instagram au moment où ce vlog sort, je vous les mets là, que vous puissiez voir un petit peu. Je vais faire un peu de ménage parce que c'est cracra. Ben oui Tina, c'est cracra. Et avant toute chose, avant que j'oublie, je voulais vous parler de ceci. Remarquez le magnifique tankardvie ici. Ceci, vous en avez certainement déjà entendu parler. Je vais baisser la luminosité là parce que c'est trop fort. Again and again. Qu'est-ce que c'est qui est rentré là? J'ai vu une bestiole. Non? Ah si, c'est un papillon. Dégage. Eh oui, mais non. Bah, il est mal en point. Je vais le laisser tranquille. Oui. Le week-end dernier, donc le week-end quand je suis partie avec Marjane, le fameux week-end que je devais vous filmer et que je n'ai pas filmé, j'ai testé ça. Donc c'est l'innovation Sensitive Expert Plus de chez Garnier dans la gamme Ambre Solaire. C'est une brume protectrice, pardon, visage et cou avec un FPS de 50, donc qui est une haute protection. 24 heures d'hydratation, anti-pollution, non gras et s'applique par-dessus le maquillage. Voilà ce qu'ils en disent. Moi j'ai testé maquillée et pas maquillée. J'ai testé à la piscine et en ville comme ça. L'effet haut comme ça, je trouve que c'est vraiment super agréable. Et effectivement, je n'ai pas pris de coup de soleil au niveau du visage. Alors que moi, dès que j'ai des lunettes de soleil et que je reste un peu au soleil, je prends des coups de soleil au visage quasi systématiquement. Et là, j'en ai pas pris du tout. Donc je trouve que c'est plutôt un bon produit maintenant. J'ai l'impression quand même que il y a peu de quantité, ça part assez vite. Donc à voir, là je suis loin de l'avoir terminé, mais je sens quand même que bon, le peu de fois où je l'ai utilisé, il en manque quoi. Mais voilà, c'est un très très bon produit. Je pense que ça peut complètement convenir et être appliqué aux enfants. Donc je trouve ça pas mal. Vous savez, les enfants qui sont assez turbulents, on a du mal à leur mettre de la crème, notamment sur le visage. Vous venez leur... Ouh là, j'ai failli me le mettre dans la tronche. Vous venez bourmiser ça sur leur visage et je trouve ça assez pratique à appliquer. Et surtout, ça fonctionne. Malgré que ce soit une brume, ça protège très bien. Donc je trouve ça top. Si jamais vous voulez tester, au moment où cette vidéo sort, une photo sur mon compte Instagram sort également. Et il y en a une à gagner pour vous. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'informations. Comme... Les amis, je vous ai pas oublié, mais j'ai complètement oublié de filmer. Donc si en fait je vous ai un peu oublié.
Pardon. J'ai fini de manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, pas grand-chose. Ah si, au sujet de cette base-là, eh ben, je suis vraiment, vraiment convaincue. Hein. Je la trouve très, très bien. Mon fond de teint a très, très peu bougé de la journée. Donc, je suis vraiment très, très contente. Je vous en reparlerai. Mais vraiment, je suis convaincue. Hein. Je la trouve hyper cool. Mais écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que demain, je pense que j'aurai rien d'intéressant à vous dire. Je vous ai parlé de tous les petits trucs dont je voulais vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ces vlogs vous les trouvez sympas, intéressants, etc. Je sais que je pourrais vous amener un petit peu plus dehors avec moi, mais bon, en ce moment, je ne fais pas grand-chose à l'extérieur de chez moi. Donc voilà, j'ai pas forcément l'occasion de vous faire voir des trucs hyper intéressants. Mais bon, comme vous savez, on est surtout sur ma chaîne pour parler de trucs de filles, produits de beauté, tests, etc. Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse. Bon, pas que, hein. Mais en l'occurrence, dans les vlogs, c'est pour ça que je fais des vlogs aussi. C'est pouvoir vous donner un maximum d'avis sur un maximum de produits sans avoir besoin de faire une vidéo à chaque fois ou de les catégoriser, que ce soit en vidéo produit terminé, en vidéo favori, en vidéo nouveauté, etc. Je trouve que c'est un peu rébarbatif. Sous forme de vlog, je trouve ça toujours un peu plus vivant et un peu plus sympa. C'est pour ça que je le fais sous cette forme-là. Mais chaque fois que je reçois un produit, soyez-en sûr, je vous le dis lorsqu'il est reçu et que je ne l'ai pas acheté. Voilà, je me permets cette petite précision parce que je sais que parfois ça peut peut-être porter à confusion et que vous pouvez peut-être imaginer que j'essaye de vous glisser comme ça des avis produits sans vous dire que c'est des produits reçus. Alors c'est pas du tout le cas, moi je suis hyper honnête avec vous, vous le savez, voilà. Donc je vous fais de très gros bisous, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Work, send me if you work. See me, do me, da, 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 da. Saw me putting work.